Non, en fait, voilà. Là, maintenant, j'en ai tiré le meilleur. Et j'ai aussi fait une rayure à mon écran d'iPhone. On est venu aujourd'hui du côté de la base sous-marine, donc au nord de Bordeaux, vers le quartier des hangars, tout ça, parce qu'il y a une sorte de festival de street art sur des grandes façades de hangars. On est passé plusieurs fois devant, ils avaient l'air absolument jolis. Vous allez voir qu'effectivement, il y en a qui sont quand même assez impressionnants. Regardez ça. Pour vous donner une idée d'à quel point ils sont énormes. Et maintenant, on va carrément dans la base sous-marine parce que visiblement, il y a genre une espèce d'expo ou un truc comme ça. J'ai vu des photos sur Instagram, ça a l'air super chouette. Et comme c'est dimanche après-midi et qu'en général, le dimanche après-midi, on fait pas grand-chose, c'est une bonne occasion. I remember the sound of the wind as I was falling asleep. Je viens juste de remarquer que je n'ai pas le clip qui vous explique ce qu'est ce petit film dans la base sous-marine. Donc en fait, c'est une projection qui est jusqu'au 18 septembre, je crois. C'est un film d'un artiste qui s'appelle J.R., visiblement, comme dans Dallas,
qui a eu deux projets donc sur Ellis Island, d'où le nom Ellis. Le premier qui était donc le photo collage à même les murs que vous pouvez voir donc comme dans la base sous-marine et comme on voit les collages dans les bâtiments d'Ellis Island. Et le deuxième donc, qui est dans la continuité, qui est ce mini-film, ce court-métrage avec Robert De Niro, qui parle de l'histoire des réfugiés et tout ça, qui voulaient atteindre New York. Donc voilà, c'était super chouette, c'est super bien monté, c'est très très beau. Si vous pouvez aller à la base sous-marine le voir, c'est jusqu'au 18, allez-y, parce que vraiment, c'était vraiment très sympa. Voilà, maintenant, retour à la base sous-marine. C'est ce qu'on appelle une après-midi culturelle, mais aussi tirer le meilleur d'un dimanche après-midi. Et maintenant, faut rentrer parce qu'on pourra pas faire autre chose, il fait beaucoup trop chaud. Et très soif. Non, en fait, voilà. Là, maintenant, j'en ai tiré le meilleur. Et j'ai aussi fait une rayure à mon écran d'iPhone.